Le festival a débuté avec la diffusion de Terre errante, le premier film de science-fiction de grande ampleur de la Chine, adapté d'une nouvelle du lauréat du prix Hugo, Liu Cixin. Le film a engendré plus de 4,9 milliards de yuan de recettes, soit plus de 680 millions de dollars au box-office chinois, se classant dans le top 3 du box-office de la Chine. Après avoir été salué en Chine, Terre errante a reçu un succès critique en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est un film absolument incroyable, je ne pouvais pas enlever mes yeux de l'écran. C'est un film de science-fiction chinois avec un thème patriotique. Je souhaite que plus de films chinois puissent être vus par les gens dans le monde. Je vois cela comme un devoir pour diffuser la valeur positive et l'énergie à travers mon travail d'art. Le sponsor de l'événement, la Fédération des Cercles Littéraires et Artistiques de Chine, diffusera également Kung Fu Yoga, Fighting Men of China 2, Mu Guiying Takes Command, Good Boy and Kung Fu et My Best Summer.